En France, le calme est revenu aujourd'hui à Vaux-en-Velin dans le Rhône, mais de nouveaux accrochages se sont produits hier soir entre les forces de l'ordre et les jeunes manifestants. Au pas de course, les CRS chargent un ennemi invisible, des forces de l'ordre lapidées, harcelées, débordées sur tous les fronts par les feux de poubelles et de voitures. De l'autre côté, les émeutiers se déplacent vite, très vite, par petits groupes. Les 700 policiers ont du mal à faire face. Nouvelle technique de guérilla urbaine, la partie de ping-pong avec une deux chevaux en guise de projectile. Bilan des affrontements, deux CRS légèrement blessés. Ce matin, le jour se lève sur une ville sinistrée. Des dizaines et des dizaines de carcasses calcinées, retournées, la chaussée jonchée de gravats, une école maternelle brûlée. Jusqu'à quand la ville aimera-t-elle ses bambins ?